Sébastien Castric et je suis professeur de trombone à coulisses à l'école de musique de Wervik Sud. Le trombone à coulisses. Eh ben, le trombone à coulisses, il fait partie de la famille des cuivres, comme la trompette, le tuba, le cor. Et comme tous les instruments de cette famille, pour émettre un son, nous employons la vibration des lèvres. Cette vibration, nous allons la faire dans l'embouchure. Voilà. Et cette vibration va se transmettre dans l'instrument et ressortir par le pavillon en donnant le son de l'instrument. Si je le mets dans le trombone. Alors, comment est-ce qu'on fait pour jouer du trombone? Eh bien, le trombone, il y a une particularité. C'est que c'est le seul instrument de musique à savoir faire des glissades musicales. Et il sait les faire grâce à quoi? Eh bien, grâce à ceci. Ça s'appelle une coulisse. Une coulisse, c'est un grand tuyau qui coulisse, comme son nom l'indique, et qui donc permet de varier la hauteur des sons. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est tout simple. Il y a un principe en musique qui dit que plus un tuyau est long, plus le son sera grave. Plus un tuyau est court, plus le son sera donc aigu. Là, mon trombone est de taille normale. Si je tire sur la coulisse, eh bien, j'agrandis en quelque sorte mon trombone. Donc, le son devrait être plus grave. Essayons. Regardez comme c'est grand. Et maintenant, si je referme la coulisse, je remonte le son. Comme vous avez pu entendre, eh bien, cette glissade, il n'y a que le trombone qui peut la faire, ça s'appelle des glissando. Alors, des trombones, il y en a de toutes les sortes, et en fait, c'est un instrument très très vieux. Le trombone existait déjà au Moyen-Âge. Eh oui, on l'appelait le sacbout. D'ailleurs, regardez la petite image qui passe, là. On a déjà des traces, des dessins de gens qui jouaient du trombone au Moyen-Âge. Et cet instrument, ben, il n'a pas cessé de se perfectionner et d'évoluer pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, donc un trombone, comme vous le connaissez. Alors, il y a différentes sortes de trombones. Il y a le trombone ténor, simple. Il y a le trombone complet. Et le gros trombone, comme celui que j'ai, qui s'appelle un trombone basse. Alors, ces trombones, vous voyez, on a un système, je ne sais pas si on le voit bien, on a un système ici avec des, ce qu'on appelle des barillets. Eh bien, ces barillets permettent de changer des hauteurs de son et de faciliter un petit peu la technique de l'instrument. Alors, le son clair et puissant de cet instrument, du trombone, eh bien, il lui permet d'enrichir toutes les formations musicales. Le trombone, on le retrouve partout. Et c'est pour ça que c'est un instrument si populaire, parce que le trombone, on va le retrouver en orchestre symphonique, par exemple dans le boléro de Ravel, il a un superbe solo, ou dans la musique de jazz, comme je vous ai joué au tout début.
où on va le retrouver en brass band, on va le retrouver en orchestre d'harmonie. C'est un instrument passe-partout. Et comme il est puissant et qu'il a un son clair, on l'emploie aussi beaucoup pour les orchestres de musique militaire, puisqu'il permet, lors des défilés, d'envoyer un son puissant à l'extérieur. On écoute un peu de trombone. J'espère que cette présentation du trombone vous a plu et que vous auriez envie d'apprendre le trombone. C'est quand même un magnifique instrument. Alors, pour pouvoir apprendre le trombone, eh ben, il suffit de s'inscrire à l'école de musique de Berwick-Sud. Et pour ça, on prend des renseignements en mairie ou alors à l'école de musique. Et on demande pour s'inscrire. En général, ça se fait vers la mi-juin, fin juin. Voilà. À bientôt, j'espère, et en musique. Au revoir!